Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Wapigraph, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où c'est ma première nucléaire sur Black Ops 2. Donc ceux qui me connaissent, qui connaissent on va dire un peu mon niveau sur la Play, enfin sur Black Ops 2, vont me dire que c'est que ta première, donc je dis pas ça pour vanter, non, non. Je dis juste parce qu'en fait, je vais vous expliquer un truc. Donc là, c'est ma première nucléaire en combien de temps de jeu? En presque 2 ans de jeu sur Black Ops 2. Donc vous allez me dire, ouais, t'es pas le meilleur. Donc en fait, c'est juste parce que dès que je suis arrivé sur Black Ops 2, c'était on va dire quand j'avais eu la play, on va dire. Parce que mon tout premier jeu, c'était MW3. C'était, voilà, MW3, et j'étais un gros noob dessus. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai de la moule, regardez, voilà. Donc au début, j'étais un vrai noob. Donc après MW3, je suis passé sur... Là aussi j'ai de la chance là. Donc après être passé après avoir eu MW3, je suis passé sur Black Ops 2. Et là aussi j'étais encore un noob. Donc il y a 2 ans j'étais une vraie merde, une grosse merde, tu vois, qui voilà. Pas plus de détails. Et en fait j'étais une grosse merde. Et avec le temps, voilà, comme beaucoup de joueurs, et bien on s'améliore. Et bien là, je vais vous dire, c'est ma première nucléaire. Et en fait, je suis déjà arrivé à 2 doigts de la nucléaire plein de fois. J'ai déjà fait plein d'impitoyables, j'ai déjà fait plein de 25 kills à la suite. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Je crois que c'est impitoyable même. Et petite info aussi dans le gameplay, j'ai oublié de le dire. J'étais sur ma bread en moins d'une minute. J'ai eu la micro en une minute à peu près, ouais. J'ai eu la micro et vous allez voir qu'à des moments je vais avoir de la chance parce qu'il y avait un gars, il voulait me tuer avec enfin il voulait tuer ses alliés surtout avec son foudroiement, et vous allez voir à des moments j'ai de la grosse moule pour pas me le prendre. Et voilà, donc ben voilà, le gameplay c'est sur raid en domination hardcore. Mon arme, ben voilà, implacable, voilà. Ça s'appelle implacable. Donc là, je vous ai fait implacable, une implacable. Donc c'est là, voilà. À ce moment-là où j'ai eu la grosse moule, le gars voulait me tuer. Il, vous voyez en bas à gauche, remettez la vidéo si vous voulez. Le gars, il a voulu, il a tué. Il a, sur les 3, vous savez, les 3 points qu'on peut mettre sur les. Comment ça s'appelle sur les. Comment ça s'appelle déjà ça? Les missiles Predator? Non, je sais même plus. Les missiles Storm, oui, les missiles Predator. C'est les 3 points qu'on peut mettre. Et on a mis un, il a tué avec les deux alliés. Et le troisième était sur moi, pour vous dire. Donc j'ai la grosse moule et j'ai failli du coup ne pas faire la nucléaire. Donc là, je fais du 20-0, comme vous pouvez voir. Donc, sur ce gameplay, j'ai eu un max de chance. Je me perds en fait dans mes mots. Je sais plus ce que je voulais expliquer. Vous allez voir aussi que le problème du rush kit sur ce jeu est vraiment énorme. Ah oui, donc après ma classe BCT AN en noir avec garde-main et silencieux, j'avais eu un problème de balle. Du coup voilà, j'ai pris la M27, pour info je l'ai en art, ouais, j'ai réussi à l'avoir. Donc là j'ai eu ma brutale. Après vous allez voir comment je vais mourir comme un con, vous allez voir, mais c'est vraiment comme un con. Aussi le problème de balle. Et donc sur ce gameplay, je me suis dit, quand je me suis fait tuer, voilà, j'ai fait, vous allez le voir, combien de kills j'ai fait à la suite pour avoir ce nucléaire. Donc là, voilà, je débloque le petit nucléaire chez moi. Là, j'étais souvent si à jouer, pour la première fois je l'ai eu, je me suis dit, je vais pouvoir vous faire une vidéo pépère. Et donc là, invincible, j'en avoir que deux. La grosse moule, paf, voilà, grosse moule, le gars, il était aux pompes en plus, heureusement qu'il n'était pas... réflexible, non, ouais, heureusement qu'il avait pas beaucoup de réflexe. Regardez bien là, je crois que vous avez entendu que j'ai essayé de tirer, ça faisait tit tit, j'avais plus de balles et là, pff, je me suis fait tuer. J'ai essayé de côté, par réflexe, on va dire, c'est de. Pour pas se faire tuer quoi. En plus, j'étais en implacable, j'avais eu ma nucléaire, donc j'essayais de vous faire un super bon gameplay. Donc après, le problème du rush kill sur ce jeu, c'est. Vous savez, vous sortez trop de. Comment ça s'appelle, trop de. De bon killstreak, admettons vous sortez micro station, déjà les gens ils hésitent à rush kit. Vous sortez Adav, vous sortez Lodestar, les chiens, etc. Là les gens rush kit. C'est des gros rageux les gens, c'est pour ça. Bon, peut-être pas tous, oui, sûrement même. Pas tous ceux qui sont derrière votre écran et qui m'écoutent. Oui, vous êtes sûrement pas un rageux. Et je dis tant mieux,
Les rageux, c'est ceux qui pourrissent la communauté de Black Ops 2. Et là, juste avant, si vous mettez un replay aussi, j'ai failli me faire tuer. J'ai failli me faire tuer plein de fois dans cette partie. Et du coup, ne pas avoir mon titre nucléaire. Et là, je vous ai laissé mon score, mais surtout pour vous montrer toute l'équipe d'en face avait rage quit. Donc, je vous fais un joli 42 ratio, donc 41, et j'étais bien fier. Donc, oui, j'ai oublié de le dire, j'étais en solo sur cette nucléaire, donc je suis fier. Enfin, je veux dire, pour ma nu première nucléaire, j'étais en solo. Et là, vous pouvez voir que les ennemis arrivent à la fin de la partie, pour vous dire. Vous savez, c'est con, quoi. Il y a encore plein de place et les ennemis arrivent à la fin de la partie. Et c'est là où je me suis dit, vous savez, quand je me suis fait tuer parce que j'avais plus de balles, c'est là où je me suis dit, pour vous faire encore un meilleur gameplay, je me suis dit, vous faire une double nucléaire. Mais non, voilà, c'était pas possible à cause du rage quit, encore une fois. Donc là, si vous voulez savoir, mon kill streak, c'était. Excusez-moi. Mon kill streak, c'était drone, micro et drone de brouillage. Drone de brouillage, micro. Voilà, c'est drone de brouillage, micro. Et si j'arrive pas bien à articuler et tout ces trucs comme ça, c'est parce qu'en fait j'ai le nez bouché, je fais une allergie, je sais pas pourquoi. Voilà. Et du coup j'ai le nez bouché, en plus j'ai attrapé un rhume en été, spectaculaire. Voilà. Voilà, donc après je vais tenter d'envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires pour divertir les gens. Donc là je vous remets un tout petit peu de gameplay, le temps de parler. Voilà, donc c'était Wapigraph. J'ai ouvert une chaîne communautaire, voilà. Vous la verrez prochainement dans notre vidéo. Voilà, je vous dis ciao, j'enverrai cette vidéo, pardon, à des chaînes communautaires. Je vous dis bisous, ciao tout le monde.